Bonjour tout le monde, ici Batman001. Comment allez-vous en ce dimanche? J'espère que vous allez bien. Ben moi, ça va très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode numéro 16 et le dernier épisode de Beyond Good and Evil, malheureusement. Après avoir passé une couple de semaines de ce jeu, cet épisode va être le dernier. Donc, vous pouvez y aller comme ça. Pour commencer, on va résumer ce qui s'est passé lors du dernier épisode. L'épisode numéro 15. On se souvient qu'on a fait des quêtes secondaires. Quelques parties d'histoire. Une partie d'histoire qui était sombre. Où on voyait pour moi, qui était une beauté de ce jeu. Sérieusement, c'est ce qu'ici. Où on voyait une page sur le bord du désespoir, du gouffre, en train de se désespérer, à ne pas avoir pu sauver le fort, les enfants et tout. Aujourd'hui, pour cet épisode, effectivement, on va finir le jeu. C'est ce qui est le but, c'est le but. Je vous ferai pas un épisode puis vous coupez ça juste à la fin, avant la fin du boss, de fin. Ça me tente pas. Ça serait chiant, je trouve. Donc, l'épisode, comment il va se dérouler? Probablement qu'il va être plus long que d'habitude. Beaucoup plus long. Je vous avertis d'avance, tout de suite. Mais, on va rester dans le tempo. Pour cette finale grandiose. Un mot à dire avant de débuter Celeste Play? Sérieusement? Merci d'avoir regardé Celeste Play, mes amis. Pour moi, le premier Let's Play qui se termine sur ma chaîne. Excusez-moi, j'ai les larmes aux yeux. Là, ça fait d'y penser, m'ému. Le jeu qui va le remplacer à partir de mardi, puis pour les dimanches qui s'en viennent, j'ai mon idée. Je peux vous le dire tout de suite. Le jeu qui va remplacer mardi, qui va être dans le fond, qui va être le Let's Play du mardi, pour un mois de changement, je vous dirais, pour ça je ferai une autre vidéo. Mardi serait Dragon Ball Xenoverse 2. Puis le dimanche serait Psychopass Mandatory Happiness. C'est les deux jeux que je vous ferai. Sinon, il vous reste ça encore pour ceux qui l'ont pas vu, mon Let's Play sur Attack on Titan, sur Geeky No Kyojin. Il reste encore, qui est le jeudi, lui. Qui a beaucoup encore d'épisodes à son actif. Bon, pas beaucoup d'épisodes encore tournés pour être franc, non. Lui aussi, ça va être terminé. Mais c'est pour ceux qui voudraient avoir un display, allez le voir. Ceux qui l'ont pas vu, ceux qui le suivent, vous savez qu'il reste quelques épisodes. Donc, n'hésitez pas. Sérieusement, merci d'être là. Je suis content de faire ça avec vous. Finir ce grand jeu magnifique avec vous. Donc là-dessus, je vous dis, je vous fais pas plus attendre longtemps. On se voit pour l'épisode numéro 16 à l'instant. Je m'en vais sur le jeu et terminons son jeu ensemble, mes amis. Merci d'avoir regardé. Et à prochaine pour mardi prochain avec le Let's Play sur Dragon Ball Xenoverse 2. Sur PS4. Merci. Appréciez cet épisode. Bon, nous voici enfin en dehors du garage Mamago pour nous en aller vers la Lune. Donc, c'est ce que nous allons faire. Nous décollons vers la Lune, mes amis, pour la fin de cet épisode-là. Donc là, j'ai activé le moteur stellaire pour pouvoir s'en aller vers la Lune. Mais à l'espace, le point de non-retour. Al-Ghanib, Oméga de la Source, Altaïr. Là, on voit. Il est parmi les animaux. Avec la glace. On dirait un animal pris dans la glace. Hey, le moteur stellaire qui rouge pète. Presque neuf, qui disait leur rhino. Thank you.
Bon, nous avons le dernier animal pris en photo, je le passe bien. Je le répertorie. Effectivement. Okay. Ta pellicule est terminée. Bon, on a complété toutes les photos. Avec ça, c'est la conclusion. Yab! La quête des photos. Puis on vient de savoir. M10 qu'on... Pour que le moteur stellaire tienne jusqu'à la Lune. Notre mission en dépend, Mademoiselle Jade. Bon, la Lune, elle c'est par là. Donc, nous allons vers la Lune pour la... C'est ça, pour l'épisode. La suite de l'épisode. Essayer de sauver les enfants et les villageois. Et aussi notre fameux tonton Page. En compagnie de notre révène Jade pis de double H. Passe lunaire en vue, Mademoiselle Jade. On va devoir passer par le transmetteur qui est là, je crois bien. Nous allons passer par ici. L'émetteur est là. C'est par là qu'il faut tenter de s'infiltrer. Parce que c'est la seule place qu'on peut. Nous pouvons. Allez donc. Ok, on y est. Bon, nous voici à l'intérieur. Nous allons voir qu'est-ce que nous avons à cet endroit. Vraiment à deux bords là. Une plateforme qu'on peut pas baisser. À ce que je vois. Puis ici, des caisses à casser. On va les casser. Non, 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 je vais pas te parler de double H. Non, allez. Je vais juste casser les caisses. Merci. Pour de l'argent. Puis, on a une machine ici qui vend du stock. Ah bon, on Johnny, a une courrière. J'ai repéré les positions probables des activités Alpha. Tu peux les consulter sur ta carte. Je te les ai affichées. Bon, ça c'est envoie-nous. Fait. Ça c'est fait. Envoie-nous les photos. On connaît la procédure. Bon. Comment on voit que la machine... On a un APA ici. Un APA augmente d'un cœur la capacité de votre jauge. Lâche un instant pour monter notre vie au maximum. C'est ce qu'on aime. Puis là, avec. On va dépenser le restant de notre énergie dans la boîte de kabobs. Dans la boîte de kabobs. Parce que tout au bien. Je sens que ça va être très nécessaire. Puis l'argent ne nous sert plus à rien. Donc là-dessus, sachant que l'argent ne nous sert plus à rien, c'est utile qu'on la dépense toute. Donc, on s'en va par ici, la seule place où on peut aller. Bien sûr. On va aller voir ce qu'il y a par en bas, au sous-sol, si on s'en va par là. Effectivement, on s'en va au sous-sol. Donc, on va aller voir ce qu'il y a. Architecture d'hommes. On est en plein dans la base, okay. Mademoiselle. Il y a une porte 7. Il va falloir sûrement ouvrir avec les rayons qui sont là. Mais là, on va découvrir comment qu'on fait. Juste avant. Et on va essayer ça. Qu'est-ce que nous avons là? Un miroir. Donc, ok. C'est un puzzle de miroir. On connaît la formule. Je pense que ça va être facile. Il va falloir sûrement guider les rayons. En plein ça. Les piliers se tournent. Parfait. On va aller voir par là. On va aller voir ce qu'il y a. On dirait un autre morceau de miroir. Non. Donc ça. On va aller chercher. Ça va être utile. Pourquoi ils me mettent les... Moi, je vais les visser. Ou plutôt les items pour me rappeler. Et non. Et tu es pas notre vaisseau. Là. On a une autre partie 7 qu'on se souvient, qu'on a besoin du rayon, on l'a découvert. On va aller voir ce qu'il y a par là. Où ça nous amène pour la suite. Ok, nous avons encore un poteau de lumière, on va déposer. Voyons, Jade, bon. Et on voit ce que nous avons. Nous avons une porte là. Ok. Qu'est-ce qu'il y a par là? Il y a une porte, j'ai cru voir de quoi tantôt. Oui. Voyons voir ce qu'il y a par là. Oh, ok, un cristal pour de l'argent. Bon, l'argent ne sert à rien, mais c'est pas grave. Pour rester poli, on va tout prendre pareil. On sait jamais. Encore ça. Parfait.
maintenant, on va pouvoir tourner ça à nouveau. Ah, oh, elle voit. Voyons. Caméra, qu'est-ce que tu me fais? Bon. Alors, bon. On va pouvoir aller voir par ici. Ok, là, on a encore de ça, mais on peut pas les tourner. Ok. Va falloir orienter les lumières d'une façon. Ok, je pense que je le sais. Ça va être aussi simple que ça. On va le savoir à l'instant. Si. Oui. C'est aussi simple que ça. Ok. Non, tout de suite, pas plus. Merci. Non, ok, d'abord. Ah, on a entendu un leçon qui dit qu'il y a une porte de débrouiller. On va aller voir ici à part là. Ça va super bien date. C'est super. Pas tous les puzzles sont assez simples. Ok, on traverse une grosse rampe. On va voir ce qu'il y a de l'autre bord. Je le sens aussi. Je suis d'accord avec toi, WH. Nous attendent. Ça sent le piège. Oh, voici Paige dans une espèce de cristal, qu'on dirait. Mais il a l'air vivant. C'est pas pire, au moins. Paige, tu m'entends? C'est moi. Là, on a fait un miroir. Encore une fois, on connaît les formules. Tourner les rayons. Ça, c'est assez simple pour l'instant. En tout cas, ça apparaît. Ok. Oh. Ok. Oh, on a une belle distraction à la chaîne. On aime ça. Non. Ensuite. Là. Ok, nous avons une barrière de détendue sur 3. On va la voir ici. Oh mon dieu, c'est terrain. C'était un film à facile, une deuxième barrière de voirée. Si, maintenant, on va essayer de quoi. Ah, on a le troisième. Si je vais à droite, ben, on va voir ce que ça fait. Mon dieu. Vraiment, un petit peu d'autre très facile à résoudre, qu'on aime. Et voilà, c'est fait. Bon, on sait quoi faire. Ah ouais, double H, super action. Et on a les bray pages. Je reviendrai te chercher. Je te ramènerai chez nous. Paige! T'es mort! Un chemin pour en arriver là. Jade, nous pouvons sauver les autres victimes. Il faut boucler le reportage. Il s'est battu sur sa vie pour rétablir la paix. C'est à nous de mettre la vie sur son combat, mademoiselle Jade. On approche. Il faut trouver la grande crypte, mademoiselle Jade. C'est peut-être là que sont retenus les prisonniers. Et sans doute là que vous pourrez retrouver le prêtre Dante pour boucler le reportage. Bon ben. Voilà, continuer. De l'avant. Avec cette scène triste où que Paige est effectivement. Il est décédé. Oh, les larmes. Sérieusement. Bon. Nous avons un safe point ici. Je crois. Je sais pas si le prochain safe point est loin, pour être franc. Mais. Non, on sauvegardera pas tout de suite. On va continuer.
Ne vous exposez pas, mademoiselle Jade. Il faut d'abord ramener des informations. On va aller voir pour prendre la fameuse photo. Ok. Qu'est-ce où que nous sommes, nous? Ok. J'espère qu'il n'y a pas d'ennemis. Sérieusement, puis... Rien d'important. Oh, des gardes de cette. Ok. J'aurais peut-être dû sauvegarder, pour être franc avec vous. On va essayer d'aller dans le rayon. Ah merde, je peux pas. Mais c'est pas assez dégâts d'abord. Ah ben ok. On va l'éliminer complètement. Ouh. Ok. M'attendais sérieusement pas ça. Pour être franc. On a perdu beaucoup de vie. On va aller voir quand même qu'est-ce qu'il y a de l'autre bord. Il n'y a rien par ici. Par ici non plus pas. Ok, on va retourner sur nos pas. Il avait fait des mains rayons, on va aller le prendre. On va aller voir où ça nous amène. Ok. Où ça nous amène cette affaire-là? Y a-t-il une entrée? On dirait une crêpe, mais y a-t-il une entrée quelque part? Ah, elle est ici. Ok. Il y a une entrée, effectivement. Bon, ben, on va rentrer. Où ça nous amène, tout ça? Je n'en ai aucune idée, mais allons le découvrir. Les Iliens se méfient. Ok. Les captures sont de plus en plus difficiles à effectuer. Ok, là, je pense que ça nous ramène en haut. Donc là, il faut descendre. Donc, on va descendre. Ça nous ramène en haut. Ok, par ici d'abord. Où que ça nous amène? Où qu'on est? Ah merde. Sérieux? Ok, faut aller au plus bas nous autres. Ah ok, je l'ai. Oh, je pense que je l'ai trouvé. On y est. Au fameux transporteur vert. Bon. Descendons. Alors, on va voir ce qu'il y a par là. Vous avez besoin de moi autant que j'ai besoin de vous, votre excellence. Bon, ben, je pense qu'on va pouvoir prendre la photo. On l'a pris. On a pris la photo. On a envoyé ça. Johnny, double H. Allez vite diffuser le reportage depuis l'émetteur. Et tout il y sera. On va pouvoir nous aider. Le gouverneur acceptera certainement de vous aider. Le gouverneur va pouvoir nous donner un code, puis on a publié. On a pris la photo et un reportage qu'on devait prendre, donc il est temps de publier.
Donc là, je pense qu'il est temps de retrouver double H. Nous allons remonter par où nous sommes arrivés. Comment nous connaît-elle? À moins d'avoir vu notre reportage. Puis pourquoi on est si important que ça pour une nouvelle la peau? On va s'en découvrir éventuellement, mais en tout cas, en attendant, on va aller le courrier. Les citoyens odieusement sacrifiés et vidés de leur énergie par un prêtre d'Homs. Debout, citoyens! Chassons les sections Alpha et les Domes! Bon, ben, ok. C'est parfait. Maintenant, comme on disait, il faut remonter en haut. Ok. Le ramener à la vie. Les sauver. Ouais. Mais comment? En tout cas, bon, ben, on se fera des petits détails de tout ça plus tard, là. On trouvera, mais on va continuer d'avancer. Oups, excusez-moi. Là, nous revenons. Non, t'en parles pas. Non, ça s'appelle Jade. Bon, merci. Bon, ben, maintenant, il est temps de retrouver, comme on disait, de remonter en haut. On va essayer de trouver. Ouais, c'est ça. Trouver double H. Qui est resté accompagné dans notre page. Ça, on a trouvé un switch, demandez-moi pourquoi. Sûrement plus tard, on va le découvrir. Ah, tiens. Des caisses d'argent. Bon, l'argent, ça ne fait rien, mais. J'ai envie de péter des caisses parce que c'est le fun. Ou des fois qu'on trouverait pas une machine en chemin. Ce qui pourrait être utile. Par où faut que je passe, moi? J'ai perdu, moi? Attends un peu, là. Ah non! Oui. Ah, ok, bon. Je le sais. C'était pas à bonne place. Bon. Ah, mauvais. Bon. Ah oui, c'est bonne place, ok. Bon, ben maintenant. Double H, j'ai vu les prisonniers. C'est monstrueux. Ils sont des centaines. Non, on va continuer. Puis on sauvegardera au prochain point de sauvegarde. Oh, Paige. Malheureusement, je vais te laisser. Ok. Tu fus un magnifique Jade, compagnon. Nous pouvons sauver les autres victimes. Il faut diffuser le reportage depuis l'émetteur. Oui, Double H. C'est ce que nous allons faire. À l'instant. Ah, qui sait notre honte, Paige, qui est décédée. Incroyable. On vient de recevoir un mail de notre chef. Il est vivant, Jade. Vivant! Quoi? Le chef de la résistance, il reste, c'est leur pays. C'est Paige? Il serait vivant? Oh! Yay! Yeah! Paige! Un peu tordu, le coup du code sous les chaussures. T'as trouvé? T'as pas très fouillé mes réglages, j'espère. Elles sont exactement pareilles. Odeur et tout. Paige, tu étais... mort, oui. Mais tu m'as sauvé. C'est toi qui m'as redonné la vie. Tu n'es pas celle que tu crois, Jade. Depuis toujours, une énergie prodigieuse sommeille en toi.
Aujourd'hui, elle s'éveille. Et tu commences à la maîtriser. Paige, les enfants, ils... Je suis au courant. Enlevés aussi, oui. Ils sont dans la grande crypte, là, en dessous. L'accès ne se fait que par l'aire d'atterrissage. Il faudra qu'on revienne en vaisseau. Mais pour l'instant, on ne peut rien faire du tout. Nous ne sommes pas assez nombreux. Il nous faut absolument de l'aide pour pouvoir attaquer cette base lunaire de fond. Le seul moyen d'obtenir le soutien des habitants d'Ilis, c'est de suivre le plan de Nino. Il faut boucler le reportage et le diffuser depuis les médias. Ok, allons-y, Paige. Bon, ben maintenant, le trio est rejoint et retrouvé ensemble. Et c'est le fun! Bon, maintenant, allons essayer de trouver une façon d'aller au transmetteur. Ouais, c'est ça. Pardon. Tu récupères. Je connais ça. J'ai passé 16 heures dans leur machine. J'ai bien cru y rester. J'y suis resté 3 semaines. Bon. Bon, ben, les espèces, ils se pètent un peu. En disant qu'ils sont restés 3 semaines dans leur machine. Tandis que WH, 16 heures. J'aime la conversation entre les deux. Mais là, je suis perdu, moi. On va le savoir. Hein? Ouais, perdu. Oh, bon, ok. Ah, ben. Waouh, ouais. Ouais, c'est par là. Bon! Ok, Jade. Ok, le trio monte. Je me souviens qu'il y avait un M10 dans cette salle-là. Donc, ce qu'on va faire. Donc, on va juste avant. Se permettre de. Hey! Attends, mais. Mais c'est le Beluga! T'as réussi à le remettre d'aplomb! Tu parles, j'ai pas eu grand chose à faire. Dis donc, t'as dû y passer un temps fou. J'espère! Comment tu veux qu'on soit arrivé là, sinon, Paige? Ah, montagne à toi! Bon, là-dessus, comme je disais, il y a un petit save point. Donc, je vais sauvegarder. Oh, je vous fais un petit coup de feu, puis je vous reviens tout de suite après. Parce que, effectivement, ça vaut la peine de sauvegarder. Parce que je sais pas ce qui nous viendrait après. Qu'est-ce que ça nous réserve après? Donc, je sauvegarde et je vous reviens. Bon, ben, nous nous retrouvons. Bon, ben, maintenant, j'ai sauvegardé. Il est temps de continuer. Donc, là, on va aller voir. Je vois que des boîtes de kebabs qui sont réapparues. Okay. Une boîte de kebabs dans la machine avant. Toute votre énergie. Donc, on va acheter avec ça. Le set de pod, toute l'énergie de votre véhicule est régénérée. Donc, on dépense encore un peu de cash. Puis là, on s'en va maintenant. On va essayer de trouver une façon de traverser ça. Parce que je vois pas d'autre place où aller. Sérieusement. Donc, vu qu'on est trois, on va essayer de y aller. On va monter ici. Ok. Ok. Bon, nous voici en haut du Beluga. Ensuite, ok, ça. Puis une switch là, donc on va essayer d'activer. Puis là, ok. Là, je pense à qu'est-ce qui va être le plus difficile. Oh non, on l'a très bien, parfait. On se décroche. Maintenant. On va aller voir comment on trouve ça.
Oh mon dieu. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ce genre d'interrupteur-là, mes amis, je vous le dis. Et la porte est activée. Et voilà. Donc là, d'après moi, on va pouvoir ouvrir la porte à 103. Allez tout le monde. Ok, c'est fait. Vite, à la salle de l'émetteur. Tiens, c'est ça. Tenez bon, on approche de l'émetteur. Bah. Ok. Ouh. C'est chaud celle-là. Hey, on te tirait dessus. Un petit peu plus, on s'est dit on avait l'air d'une passoire, mais on a réussi à passer. Maintenant, nous arrivons vers la place pour la... on dirait l'émetteur. On va juste checker de quoi ici. Qu'est-ce qu'il y a ici? Identification compte. Bon, on rachète encore une boîte de pods. Une boîte de K-Bops régénère toute votre énergie. Avec le set de pods, toute l'énergie de votre véhicule est régénérée. Donc là, ok, on a un disque. On peut sauvegarder. Et on a notre contrôle devant nous autres. Bon, ben. On va aller voir de quoi. On va essayer de faire la sauvegarde. Puis on va. On a que en rouge. On va voir ce qu'on peut faire ici. On va passer à photo. On va l'envoyer au gouvernement. Contrôler l'émetteur? C'est incroyable. Je fais au plus vite. Tenez bon. Pour pouvoir émettre le trait. Faites vite. Si la population se soulève, les sections alpha vont sûrement tenter de fuir. Donc, on a le code que je note à l'instant. Puis... voyons voir, ok. Comment je suis posé? Puis mon repartage, moi. Ah, ok. Non. Ah, ok, je l'ai. Ok. On dit à Z. C4. On valide le tout. Et le code est bon. Et avec ça, on va pouvoir diffuser notre partage. Pointage objectif. Nos photos sur le réseau. Ok, entrée data. C'est à toi de jouer maintenant, Jade. Ok. Données étrangères. Système protégé, accès interdit. Verrouillage. 10. Ils vont bloquer les contrôles. 9. 8. Ah, ne t'inquiète pas, Jade, il m'en coupe de tout. 6. Amigos, 5. Secondo et l'unico va vous montrer 4. Qui est le best of the best 3. Ici. 2. 1. Système bloqué. Ah, bravo, El Unico! Le roi des saligots, ouais! L'empereur des crétins! Le peuple des abrutis! Le grand architecte de mes... Tu me casses les oreilles. Regarde. Ouverture de session en cours. Bonjour, Général Secundo. À votre service. Ciao, Bella! J'ai un ami qui souhaite diffuser un petit reportage. Tu me prépares un alignement sur la 21-3 Mazzoli. Tu es toujours aussi belle, hein? À vos ordres, Général. Data chargée. Diffusion. Bon, ben voilà! Repartage de la population va s'élever! Et c'est bon. On va se rebeller. Aidé par les traîtres du réseau Iris, l'ennemi d'Homme s'affranchit les champs protecteurs.
et s'est infiltré dans ta cité. Assez ! Unissons nos forces ! Amigos, señores, señoras et bien sûr, señoritas. Ouvrez bien grand vos yeux, vos oreilles, tutti quanti. Je vais pas vous dire des palabras, des mensonges et des choses à rallonge. Je vais juste vous montrer la vérité, eh? Las secciones alfa sont des bandous, des bandidos, des imposteurs, des rascals, des serpents sonnettes. Regardez les photos que nous avons prises. Les sections alpha sont les complices des forces d'Oms. Ce sont les sections alpha qui enlèvent les citoyens d'Ilis et les livres d'Oms. Une fois sur la Lune, les victimes sont vidées de leur énergie et meurent. Depuis le début, on a été trompés et manipulés. N'écoutons plus les mensonges des sections alpha. Non, ben, parle-moi de ça! Enfin, la population se réveille! Et voilà! Carlson et Peter! Les enfants sont encore dans la base d'Homs. Il faut retourner là-bas. Mais pour le moment, il vaut mieux évacuer le secteur. Bonne stratégie, soldat. Mais un peu tardive. Adieu. Procédure d'autodestruction enclenchée. Quoi? La bonne minute, c'est pas des. Tu fais faire le 4-17? Bon ben. Ça a devenu laissé assez de temps, mais. Une chance, mais ne pas me regarder avant. Ok. On n'a pas beaucoup de temps à perdre. On retourne au Beluga. Il monte en bas du Beluga. Allez, 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 montez, montez! Allez, double H! On ira un message plus tard, mes amis. Pour l'instant, il faut sauver notre cul, notre peau. Et c'est comme ce que nous allons faire. Ouais! Excellent! Le serpent semble s'atanir. Rayon tracteur activé. Ah, ça le boss, mes amis. La vérité enfin révélée. On va voler le message. Nos confrères de toujours. Le peuple ilien s'est soulevé pour chasser les sections alpha hors d'Ilis. Une fois encore, la grande famille du journalisme a su montrer qu'elle avait un rôle essentiel à jouer dans l'histoire. Bon, ben enfin, c'est officiel avec l'officiel Iris. La vérité enfin... Ok, c'est bon. Ok. Gardez le rayon tracteur enclenché.
Ok. On se répare. Le chargement de fils du tien pas séparé. Vous les avez sérieusement touchés. Continuez, mademoiselle Jade. Qu'est-ce que vous espérez? Vous êtes foutus! Ah, ok, on se répare encore une fois. Ah ouais, il est descendu. Maintenant, il est temps. Il faut larguer l'Overcraft si on veut aller éteindre le rayon tracteur. Bah, ouais, la voie est libre. On peut accoster directement, mademoiselle Jade. Bah, bah, on lance le vaisseau. On va aller accoster. Puis on va essayer d'aller éteindre ce rayon tracteur là. Hey! On a un disque. Ouais. On va essayer de finir avec ce boss là. Allez, on lâche. Allez, on lâche. Bon. Ok, on élimine les gardes. On va se rappeler les vies. Rendez-moi mon item. Bah, on va le manger, un item. On va tuer le gars. On a bien fait d'acheter des items. Pas rien ici. Non, ok. Bon, ben, le rayon est seul. Terminons une bonne fois pour toutes avec ce général-là. Qu'est-ce que tu espères? Tous les tiens sont déjà morts. Ta mère et ton père. Le porc et les gamins. Nous avons pillé leur fluide pour prolonger nos vies. Ils te cherchent. Il est sur ta trace depuis des siècles. Tu mourras, toi aussi. Et tombent les anges de l'enfer. Bon ben, c'est fait. Maintenant, on va appuyer sur... dans la base. On va appuyer sur le piton. Ceci étant fait, on va redescendre. J'ai entendu des voix là-haut. Il y avait encore quelqu'un de vivant? Non, il reste personne. On va en profiter pour en même temps. Je vous dirai, sauvegarder un nouveau, puis je vous reviens après.
Bon, j'ai sauvegardé. Il est temps de continuer. Essayez de finir ce jeu-là. Aïe! Une bonne fois pour toutes. Donc. Rejoignons notre Beluga. Aire d'atterrissage repéré droit devant. Ils envoient la garde rapprochée. Bon ben. Ah, mais là, ça se regarde. Nous devons abattre des petits combats spéciaux. Je ne m'arrête pas! Je vais vous avoir! Feu! Donc, tant que les défenseurs ne pourront pas accéder à la base, on le voit, très bien. Gardez-le en ligne de mire. Visuel, gardez-le en visuel. Allez, mourir, ça, c'est que ça a fort! Jade, le peuple est avec nous! On non! Couvre, ok! La base. Il faut sauver ceux qui sont encore à l'intérieur! Parfait, ça! D'abord, nous couvre! Les habitants nous couvrent! Il est temps de lever la bombe! Trouvez-le! Ah oui, oui, oui! Elle est où la bombe? Allez vous poser sur l'aire d'atterrissage! C'est ce que je cherche! Double H! Ok, on a tiré. Puis... Ok, on a le dernier disque. Normalement le dernier... c'est ça, le M-Disc Rider. Donc je surveille encore une fois. Avec vous mes amis. Puis... On va aller voir ce qui se réserve après. Ça sent le boss de fin. Donc là-dessus, je vous ferai pas attendre, je couperai pas pour, là, pour l'épisode, pour qu'il y ait un autre épisode. Comme j'ai dit, on va finir le jeu ensemble là-dessus. Là, ça prend le temps de faire vraiment qui est un peu long, plutôt de sauvegarde, j'aurais dit. Donc là-dessus, je vais en profiter pour vous dire que justement, dimanche prochain, le Nevers 2, l'épisode, non, excusez-moi, que Dragon Ball Z Nevers 2, ça va être un let's play de Dragon Ball Z Nevers 2, et mardi prochain, je refais la phrase. Ce que je voulais dire exactement, c'est mardi, ça va être Psychopath, Mandatory, Happiness va prendre la place de Beyond Good et Niveau. Puis le dimanche, ça va être Dragon Ball Z Universe 2 qui va prendre la place de Beyond Good et Niveau. C'est ce que je voulais vous dire. Entre temps. Bon ben, maintenant, retournons aux choses sérieuses. Merci pour maintenant, on est 3, on peut faire activer l'ascenseur et on descend vers. Oh, qu'est-ce qui est la grande crête? Allons. Probablement. C'est la base de fin. Et on dirait que oui, mes amis. Et j'ai peur, mes amis, je vous dis. Enfin, tu viens à moi.
Tu as bien servi ton maître, Shoni. Grâce à toi, les Iliens sont venus à moi, aveuglément. Jade ? Dorkar Bagrat. Non, Jade, ne l'écoute pas. Tu es la source de mes pouvoirs. Ils t'ont enlevé en espérant me détruire. Mais j'ai survécu, me nourrissant de ridicules poussières de vie. Ils t'ont rendu humaine, mais tu n'es pas comme eux. Tu es à moi, Shoni, et je vais tuer le peu d'humain que tu as en toi. Jade ! Bon, ça se fait pour quelqu'un qui nous connaissait, hein ? Ok. Je sais pas qu'est-ce qu'il faut faire, mais on va voir tout ça à l'instant. Nous avons beaucoup de... On va essayer de pas manger trop de dégâts. Parce que je sais que ce combat là va être long. Ok. On dirait qu'on a réussi une phase. Quoi? Dans son page? Hey, ça va, mon chat? Carlson et Peter! Merci. Ok. Ok, un autre. Ah mais c'est dur, franchement, ce combat est extrêmement dur. Ok. Ah, ok. Ok, on est seul. Ok, on aime ta femme. Ok, on est pas pour moi. Ah non, il y a Forbes. On va te mettre des items au cas où.
Merde. Sérieusement, ça m'énerve. Sérieusement, ce combat est difficile. Je sais pas quoi faire. Il me rentre dedans. Hey, Jad, tu dis que l'on mord. Ok, pas de compris. Sérieusement. Hey, tabarnak, ah ouais. Attendez un peu là, j'essaie de penser comment on peut le battre. Ok, oh. Bon ben. On va essayer de... J'espère sérieusement à ce combat, il n'y aura pas long... trop longtemps. Hey, je veux charger ma attaque moi là. J'arrive même pas à charger, comment ça? Hey, sérieusement! Hey, il me coince dans... Hey! Ah! Calisse! Ah! J'arrive même pas à le battre, sérieusement, j'ai 5 secondes pour être là. Ah, merde. On va essayer. Sérieusement, je vais essayer de... De l'attaquer, mais... Mais j'arrive pas, là. C'est comme... Comment tu fais, il va devoir... Ah. Man, sérieusement. Deux, trois.
4. Non, ok. 4 coups, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, ça marche pas, ok. Au 4ème coup, faut charger, ok. Merde, on recommence. 1, 2, 3, 4. Non, ok. 1, 2, 3, 4, 5. Ah merde! Il me joue un. Hey, sérieusement, là, j'ai du thème. Mais même avec les items. Ah, il me ramasse! Calisse, j'ai même pas le temps de le frapper! Ça m'énerve! Hey! Ah! 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 Ça, on va retirer des armes, mes amis, je le sais! Non, il m'a eu. Ah! Franchement, il m'énerve. Ah! Non, on recommence, pas de merde. Ok. J'attends votre ordre, mademoiselle Jade. Ah merde! Hey! Calais, lâche-moi! Ok, je l'ai eu! Ok! La deuxième phase est faite! Quatrième phase de ça! Ouh! Attrapez les vies! Sérieusement, c'est pas ça, c'est pas cette vidéo! Ah, puis en plus, Ah, merde, j'ai des blâches partout! Mademoiselle Jade! Comment je peux. Ah! Par votre salut tout le monde! C'est moi, Batman001. Après plusieurs tentatives, avoir essayé de battre le boss de fin. Finalement, j'y arrive pas. Donc. Comment dire ça? C'est vrai qu'on dit un désespoir que finalement, que je vais vous dire que je le laisse tomber après à peu près une cinquantaine, une centaine de fois. Je vais pas le battre.
Donc là-dessus, si vous voulez voir la fin du jeu, allez voir l'esprit d'un autre. Allez voir une autre vidéo. Sérieusement, ça avec une déception au jeu. Ah merde! J'arrive pas à le battre. Donc, là-dessus, je lui dis merci d'avoir regardé l'épisode numéro 16 et bienvenue dans les niveaux. Épisode de la fin. Sérieusement, merci d'avoir regardé. Puis, désolé vraiment, mais j'y arrive pas. Donc là-dessus, je lui dis si vous avez aimé la vidéo jusque-là, n'hésitez pas à vous abonner. Un petit pouce vers cette vidéo. Échangez avec moi sur Google Plus, Facebook, ce que vous voulez. Ça me déçoit, mais effectivement, avant de péter les plombs, puis j'ai défoncé ma TV. J'arrête tout ça là. Pour cet esprit là. Donc je vous dis. Mardi prochain pour Psychopath Man de TV Happiness. Puis à dimanche prochain pour Dragon Ball, vous pouvez m'apporter. Là-dessus, bye, mesdames.